Bonjour, bonjour à tous. Bonsoir, bonsoir chez vous. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi, ça va super bien. Vous vous souvenez dans une des vidéos que j'avais faites précédemment, il y a quelques mois de cela, il y a une maman à New York qui m'avait rejoint quand je faisais une vidéo à l'anniversaire de ma copine Mawa Bakayoko. Et puis j'avais dit, oh ben, si j'avais un bazin, une dentelle ce soir, je l'aurais porté pour te faire plaisir. La mère est tombée sous les coups, ça dit que sous le charme de mes paroles, et elle m'avait offert deux bazins dentelles. Il y avait cette couleur et puis il y avait la couleur orangée pâle que vous aviez vue dans cette vidéo-là. Et à la fin de cette fameuse vidéo, j'avais dit comme ça, c'est pas maintenant que je vais écouter, quand je vais écouter ça, tu le sauras. C'est comme ça qu'un de nos frères africains, dont je vais, oui, je vais abréger son nom, il est tellement discret que. Il a dit, oh ma soeur, tu peux me dire merci, mais il ne faut pas dire tout mon nom. D'accord. Donc, je vais l'appeler Zed Pelcha. Zed Pelcha a vu, il a dit, non, moi, ma soeur, là, elle me plaît trop. J'aime sa façon de parler. J'aime comment elle est. Donc, il m'a rejoint. Ma soeur, je suis styliste. Je peux te coudre tes bazins. J'ai dit, ah ouais? Il dit, oui. J'ai dit, OK. Et c'est comme ça que je lui ai envoyé ça. Mes amis, il n'a même pas voulu prendre un rond. Même les dentelles. La doublure, le fil. J'ai dit, mais tu vas pas quand même payer tout. Il dit, non, ma soeur, je veux te faire plaisir. Moi, tu es ma star. Tu es mon impacteuse. Donc, je veux te faire plaisir. C'est comme ça que Zed Pelcha m'a cousu. Ça dit, cette belle robe que vous voyez, mon faro le soir, là. Et j'ai fait le faro à ça. Quand les Québécois sont venus chercher leurs enfants, là, mon Dieu, Monique, t'es donc bien belle. Oui, quand le Québécois dit, tu es donc bien belle, ça dit, tu es donc bien belle. Les enfants, Monique, t'es belle, en tout cas, moi, mais c'est super. Tout ça grâce à la mère impactée de New York et notre frère Zed Pelcha. Vraiment, merci beaucoup, oui. Il y a d'autres qui nous détestent sur les réseaux sociaux, mais on plaît à des personnes et étrangement, on plaît à des bonnes personnes. En tout cas, moi, je plais à des personnes importantes, des personnes sérieuses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne vraiment de vous. Vous savez, j'ai commencé à vendre des articles sur les réseaux sociaux. Vous l'aviez constaté. Bientôt, tout le stock va sortir. À partir du week-end, là, samedi, dimanche, le stock va apparaître sur ma page Monique AZ ici et puis aussi sur YouTube. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Moi, je ne veux plus collecter des fonds avec des gens, tout et tout. Donc, j'ai décidé désormais d'investir sur mes fonds propres pour pouvoir faire du commerce en ligne sur Internet, pour vendre des affaires, pour aider aussi des enfants en Afrique. D'ici 9 mois, 1 an, je vais aller en Afrique, je vais apporter au moins du réconfort, un peu de bonheur dans la vie de certains enfants. Parce que solliciter aussi les internautes, je me dis que vous avez vos problèmes, c'est pas tout le temps qu'on doit vous solliciter. Moi, c'est ma façon que j'ai opté pour aider les enfants. Désormais, je fais du commerce, mes bénéfices, je les garde. Et puis, quand j'arrive en Afrique, pour aider ces enfants qui sont en difficulté, et puis des femmes aussi, qui sont dans une certaine précarité. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Ensuite, comme j'ai un gros projet aussi que je fais avec une maman à New York, je sais que tu me suis, on a un gros projet ce week-end-là. J'ai pas le temps, je suis en train de chercher 2 sœurs africaines, une sénégalaise et puis une camerounaise. Oui, la camerounaise, pour me faire du poisson à la braise ce vendredi qui s'en vient là. Oui, vendredi qui vient là, si je peux avoir du poisson à la braise dans la soirée. Moi-même, je viens chercher déjà demain matin, si vous partagez la vidéo que quelqu'un voit, vous pouvez rentrer en contact avec moi, avec mon numéro WhatsApp qui est là, mais sur le YouTube qui est en description. Oui, YouTube, on met les numéros. Les références toujours en description de la vidéo. Et puis une soeur sénégalaise, parce que je veux du tchèp à la viande, oui, pas du poisson, parce que ma fille ne mange pas du poisson. Donc je cherche 2 soeurs. Si vous savez bien faire ça, rentrez en contact avec moi. On va régler ça. Je vous fais l'interact. Et puis, moi, je viens chercher dès que c'est prêt. Merci vraiment beaucoup à vraiment tous ces dons que vous me faites. Moi aussi, à ma façon, je me suis dit, même quand on t'offre, à un moment donné, toi aussi, il faut offrir, il faut aussi donner. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de m'investir dans ce petit commerce-là pour aider un de ces 4 matins des enfants en Afrique. Vous savez, je faisais, comme j'aime faire mes vidéos un peu partout dans la maison, un peu partout. J'ai dit que je fais mes vidéos partout dans la maison parce que je recherche la luminosité. Donc, quand je viens à tel côté, si c'est bon, je mets là.
C'est comme ça une impactée à Paris est rentrée en contact. Elle m'a dit, moi j'aime ta maison, j'aime, ça dit j'aime ton cadre, comment la propriété, la convivialité de là où tu es, j'aime ça. Donc mon mari est peintre, je veux t'envoyer des toiles de mon mari pour que bon, tu en parles au Canada, tout, tout. Je dis, ah bon, il est peintre, elle dit oui. Et elle m'a envoyé ces toiles abstraites. Pour le moment, je n'ai pas mis leur contact là parce que bon, je n'ai pas pu la joindre. C'est qui est-ce? Je vais vous envoyer le site web parce que je vais reparler de cette toile-là. Hein? Aujourd'hui, j'en parle comme ça, mais je vais encore revenir vous parler de ça. Oui, ce que le petit conseil que je peux donner aussi, c'est que les maisons, à partir de... C'est-à-dire chaque 6 mois au moins, on doit changer un peu les décors. Les vieux rideaux, comme le rideau de mon père que j'ai laissé à Dalois là-bas avant de venir au Canada, là. À un moment donné aussi, les rideaux là, ça ne coûte pas cher, 10 $, 15 €. On change un peu le décor de la maison. Donc quand il m'a dit ça, je lui ai dit, bon, moi, c'est dans le temps des fêtes, je vais changer le décor un peu de ma maison. Donc si tu veux, tu peux m'envoyer ça sous telle couleur. Donc c'est comme ça qu'elle m'a envoyé cette merveille-là. Oui, je vais vous montrer ça comme ça en passant. Ouais, c'est son mari, le peintre, il s'appelle Bernard Payet. Oui, c'est de l'abstrait. J'ai vraiment aimé ça, je vous avoue là. C'est Bernard Payet qui fait ça, c'est un peintre français. Je vais revenir vous parler de ça avec le site web à l'appui, tout, tout, tout. Je n'ai pas pu la joindre ce soir, mais j'en parle comme ça en passant. Vite fait. Ils m'en ont apporté deux. Je vous dis que sur les réseaux sociaux là, ce n'est pas du Niamselet. Il y a des bonnes choses ici. Malheureusement, c'est les Niamselet qui font du bruit sur nous. Sinon, les bons là, ils ne parlent pas. Ils agissent. Voilà. Donc, c'est ça. C'est vraiment de l'abstrait là. C'est beau. Moi, j'aime vraiment ça. C'est vraiment mon coup de cœur qui est là. Je vais vous en parler, Bernard Payet, pour que vous alliez au moins faire un tour pour changer un peu le décor dans vos maisons. C'est important. On ne reste pas sur le même décor depuis qu'on a immigré. C'est le même décor, même rideau là. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Merci beaucoup à la maire de New York et puis à Zach Pelcha et à Madame Payet. Oui, c'est son mari qui s'appelle Bernard Payet. Mais Bernard Payet, je vais revenir là-dessus avec le site web. Vous pouvez visiter, c'est pas cher, c'est pas des affaires qui coûtent cher. Ça va aider un peu à changer. Oui, les tableaux qui sont au salon, quand on change, on peut les mettre dans la chambre, on peut les mettre aussi dans la chambre des enfants, bien la chambre des visiteurs, et puis on remet d'autres nouveaux tableaux. Ça donne de la gaieté, ça donne de la convivialité à la maison. Donc, mesdames, je vous attends, rentrez en contact avec moi pour me faire manger ce week-end, s'il vous plaît. Sur ce, prenez soin de vous et puis ciao, ciao. Au revoir.